Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode, et c'est même l'épisode 6 de Resident Evil 2. Et du coup, c'est une nouvelle session, donc je me suis remémoré un petit peu ce que je devais faire, et on va aller activer le panneau électrique. Si je me trompe pas, c'est ça qui doit être fait. Est-ce que... Normalement, j'y avais touché déjà, à ça. Ça sent la fille de puterie. Non. Ok, allez, on est parti. Donc la water, elle coule plus ici, donc j'ai juste à dévier l'eau, normalement. Et ça va arrêter de cramer. Je pense, en tout cas. Allô ? Eh ouais mon gars. Bon, par contre on va arrêter ça tout de suite parce que ça pète les couilles. Ah on peut pas. Alors du coup, si je suis pas trop con, je... Attends, ça c'était quoi? Ouais, ça retournait où ça déjà? J'ai quoi là? J'ai la clé trèfle. Ah oui, c'est vrai! J'ai la clé trèfle. Est-ce qu'il y a des choses à ouvrir avec? Il y a les archives. Ah oui, il y a pas mal de bails à ouvrir. J'ai peut-être fait une connerie parce que je crois... J'ai pas été spoil là-dessus. Mais je crois que quand... On éteint le feu... Ça libère un passage pour... Bon, moi je sais qui c'est, hein, mais pour celui qui est assez musclé et qui a l'air assez vénère. Donc voilà. Bon, de toute façon, on peut pas passer par là, donc je suis obligé de passer par là. Juste, attendez, je revérifie. Je suis au 2F. Au 2F, on a rien à ouvrir avec la clé. Tout se passe au first floor. First floor, nigga. Ok. Nickel! Oh, la vache. Bonsoir! Bonsoir, mon frérot! Donc, oula, non, fais pas ça, s'il te plaît. Fais pas ça non plus. Alors... Cet ennemi là, il est, comme qui dirait, intuable, en tout cas pour l'instant. Du coup, on court. C'est une clé trèfle, enfin, c'est une salle quoi ça? C'est une salle quoi? Non, c'est déjà ouvert. La salle des arts, attends je vérifie parce que... Ah oui, donc là c'est là où il y a El Señor. Là on l'entend plus, donc je sais pas trop. Donc là on va descendre, on va essayer d'ouvrir un peu les bails. Wesh frérot. Ah. Donc en fait, ok il a perdu sa jambe dans... Donc en fait, ouais, il est intuable ce gros fils de pute. Salut, et... Du coup, le seul moyen de deal avec lui, c'est de l'esquiver, en fait. Tout simplement. La salle d'interro. Évidemment, ce connard... Non, il arrive. Donc évidemment, il est super relou. Parce qu'il fait que de te suivre, ce gros enculé. Je sais qu'il y a un moyen de glitch un peu le jeu et de le bloquer, mais je sais pas comment faire, et puis de toute façon, c'est pas mon but. J'espère juste que ça m'épose, parce qu'il y a des bruits quand même. Bref, du coup, rapport de confiscation.
Ah, ça c'est pour un coffre. Date 14 août 1998. Salle d'attente, second floor, RPD, Raccoon City. Enfin, Raccoon Police Département, frérot. Cause de la confiscation, un individu surpris dans la pièce suspensionnée. Voilà, donc suspensionnée. Très joli mot. Lorsqu'il a été interpellé, il a tenté de fuir en simulant la confusion, mais a été arrêté. Une note en sa possession a été confisquée. Remarque, tout le monde sait déjà de qui on parle, mais au cas où, il s'agit de Justin Hanson, 39 ans, habitant de la ville, célibataire, habitué de nos cellules. C'est pas vraiment un truand, plutôt un kleptomane vraiment stupide. J'arrive pas à croire qu'il ait tenté de faire ça dans un comico. Il y a un morceau de papier dans un sac plastique. Donc voilà, c'est ça. Donc c'est second floor. Second floor. Hop. Et la salle de je sais plus quoi là, j'ai oublié. Miskine. Salle d'attente, il me semble, c'est ça? Ouais, ça doit être ça. Ah! Tu vois, ce qui est casse-couille, c'est qu'en fait, on va pas pouvoir fouiller comme on veut. Avec cette ahurie. Ah. Ah. Ça me parle. Bon, alors, si vous avez un petit peu de mémoire, vous vous souvenez que la statue, elle a un sceptre, ou je sais plus ce que c'est, mais il y a un truc avec un gros, une sorte de gros rubis, comme cela, mais en plus gros, forcément. Et donc, il semble contenir quelque chose. Et donc, pour l'ouvrir, forcément, il va falloir replacer le dernier joyau. Du coup, ça va être relou parce que j'imagine qu'il peut allègrement défoncer les portes, ce gros bâtard. Là, il n'y a rien à faire. Je peux pas ouvrir, j'ai pas la clefs. Attends, juste. Ça va là. Ça va là. C'est bizarre quand même. Le fusil à pompe, genre, il me prend moins de place que le pistolet. Je veux bien que le pistolet il ait une crosse, mais bon, le fusil à pompe, c'est quand même plus gros que. Tu vois, ranger le fusil à pompe dans le sac, c'est quand même plus compliqué que le pistolet, je trouve. Mais bon. Wow! Ah, donc c'était la salle d'un. Bah attends, je suis con, ça doit être marqué. Ouais, salle d'interrogatoire, voilà. Je suis totalement débile. Du coup, ça va être la merde quand je vais ressortir. À la limite, ce que je vais faire, c'est que je vais monter. Je vais aller dans la salle d'attente. Ensuite, hall principal. Mais c'est fermé par quoi, ça? Exploration terminée. Exploration en cours. J'y suis. Pourquoi j'y suis jamais allé ici? Ah non, c'est que j'ai pas. Non, je sais pas. Bref. On va essayer de remonter. De toute façon, on va voir. On va voir comment ça se présente. Parce que là. Il y a le gros fils de pute qui est pas loin. Ah non, il est de l'autre côté. Non, je sais pas, il est au-dessus, en dessous. Je sais absolument pas où il est. On va essayer d'aller à la salle d'attente, du coup, vu que j'ai le code, hein, on va voir. Miskin, il va être devant moi. Alors là, à mon avis, il m'a vu. J'ai pas trop le temps du coup. Ah putain, j'ai pas regardé. Alors, les documents, rapport de confiscation, nickel. 6 gauche, salut Dolly. 6 gauche, 2 droite. Bon, 6, 2, 11. De toute façon, je sais qu'il faut inverser les bails. Donc, 6, 2. 11. Confirmé. Ah, un accessoire de canon. Frein de bouche pour Mathilda. Yeah! Élément pour Mathilda. Favorise la diffusion des gaz de propulsion pour diminuer le recul et le relèvement du canon. Bah, c'est nickel. Combiné. Yeah! Et elle prend toujours autant de place, donc ça c'est cool. Et on peut le voir, le frein de bouche, c'est stylé. Par contre, je vais pas faire de vieux os. Hein? Allô, bonsoir, les zombies? On l'entend, ce gros chien. Enfin, je sais pas si.
Oula, petit problème de connexion sur le stream, mais c'est pas grave. Donc on entend ce gros chien. Donc il me semble que il faut pas que je me sente en sécurité parce qu'il peut aller dans le hall. En tout cas, j'avais lu sur des forums, évidemment sans me spoil, que à un certain moment, en tout cas, il allait dans le hall. Donc je sais pas s'il y a accès tout le temps, mais il y a accès soit tout le temps, soit à un moment donné. Ça, on va le garder. Faudra que j'aille récupérer les joyaux. On va utiliser la clé comme ça, on pourrait la balancer. Bon, c'est cool. En tout cas, j'ai pas mal de munitions. Ça veut pas dire pour autant qu'il faut les gaspiller. Donc, first floor, réception, tac, tac, archive, tac. Là, je pourrais pas rentrer, par contre. Ok. Mais mon gars, mais vas-y, ça casse les couilles! Eh, c'est trop chiant! Ouais, oh, moi je peux les. Ça, je lis sur les. Il va me buter, je suis mort! Non, je suis pas mort! Ta mère! Putain, ça me gave ça! Ouais, moi je peux l'esquiver, ouais, ma bite! Ma bite, on peut l'esquiver, ma bite! Sérieusement, ça me saoule ça! En marchant, tu l'esquives! Bah ouais, mais moi je rentre. Et ça me saoule, allez, casse-toi de là! Putain, c'est trop chiant, sérieux! Moi j'ai jamais réussi à les esquiver ces gros enculés hein. J'ai gaspillé trop de balles en plus là. M'énerve. Ah, ça c'est pour le cric, non? Ouais. À mon avis hein. Bon, ça c'est fini. En plus il y a le gros qui me suit. Donc jeter. Attends, on va faire ça comme ça. En plus, j'ai terminé un cut. Est-ce qu'il y a autre chose dans la pièce? Ouais, c'est un peu de la triche. Ah, il y a une nade. Ah, une vraie nade. Ça, c'est une frag. Je suis resté équipé du pétard, donc c'est bon. Donc, évidemment, Jean Connard, il va arriver. Voilà. Salutation. Voilà, il y a le frérot au liqueur derrière. Hein. Tout va bien. Bon bah là du coup on va savoir s'il peut venir dans le hall. Ouais il peut. Il peut parfaitement venir dans le hall. Qui est censé être une safe zone. Ok bon. Alors dans ce cas... Jean Connor faudra le semer. Mais là n'est pas mon problème principal. Il faut que j'aille dans la biblio et que j'utilise le cric. Parce que maintenant je peux. J'ai la barre nécessaire. Une sorte d'outil long et fin, ouais, comme la bite de certaines personnes. Du coup, bah on est parti, mais il va me suivre, ce gros salopard, donc c'est relou. Parce que je vais pas avoir le temps de faire tout ce que je veux, tu vois. Je suis pas du tout allé dans la biblio, je crois. Non, il faut que je monte. Salut, copain! Oh putain, ah ouais, des fois il tape des petits sprints. Hein. Franchement, je sais que c'est fait pour ajouter du stress et tout aux gens, mais je trouve ça tellement relou. En vrai, cette phase, parce que le mec il reste que pendant une phase. Hein. Après, normalement, c'est bon quand on aura avancé suffisamment. Mais frère, c'est chiant! Franchement, moi, c'est pas quelque chose que j'apprécie. Le truc c'est que... Oh, putain. Bon, après là, skip, je l'ai semé.
pour le moment en tout cas. Donc là, ça nous débloque un nouvel endroit, logiquement. Et je crois qu'au niveau du son, ça change R, que j'aille doucement ou que je rush. Hein. Il me semble que c'est la même chose, il s'en fout. Ça, c'est le genre d'ennemi qui a un radar. Ok, nickel, on a pu passer. Donc là, on va accéder... je sais pas à quoi on va accéder, voilà. Donc ça, c'est fait. Donc là, il est en bas, ce fils de pute. Ouais. Ah, il arrive, hein. Il rentre dans la biblio. Ah, la musique, elle s'excite quand il me repère. Ok. Oh, je t'avais pas vu. Ah, une grenade. Ah bon, bah tiens, bouffe. Allez, salut. T'as ce gaspillage. En plus, ouais, le couteau là, il est... Ouais, reste mignon par contre. Du coup, on va où là? On va où là? Machin de l'horloge, salle de stockage est. J'ai envie d'aller à la salle de stockage pour le moment. Il n'y a pas de porte ici. Ah, y'a un... Ah, c'est un raccourci. Nickel, ça. C'est une plante quoi? C'est une plante bleue, donc attends, on va pas l'ajouter. Niquez vos mamans. Niquez vos mamans. Ouais, je sais qu'il y a des munes, c'est obligatoire. Donc là, c'est mort. En plus, y'a le gros qui va venir, là. Ah, il peut monter lui, tu penses? Totalement, il peut totalement monter, bah oui. En fait, je suis bloqué là, non? Ah non. Bon, est-ce qu'il va me suivre? Ah ouais. Putain, t'es relou mon frère. Ça casse les couilles. Oh là là. Ça va être une phase où je vais bien rager et que je vais bien détester. Hein. Parce que sérieusement, putain. Je sais pas ce que ça apporte au gameplay en fait. C'est pas fun, je sais pas, je comprends pas. Mais bon. Il y a zéro fun à te faire courser par un gars qui est intuable en fait. Il fait pas peur. T'as Jean-Michel, il fait 150 kilos, il te course, voilà, c'est tout. Il a juste fait une trop grande prise de masse, tu vois. Ah, il y avait une herbe ici. Bon là, skip, je l'ai largué. On va en profiter pour fouiller. Projet de réparation. Horloge Wesley 1. En raison de... Que j'appelle un spécialiste. On verra, il était sur place. Ok, d'accord. Bon, ça nous apprend rien. Ah bah ben, hop, ça dégage. Je suis beaucoup trop bon. J'ai bien fait d'aller là-bas en premier, tu vois. J'ai pas vu de Solus, hein, je tiens à préciser. C'est un hasard. Alors, tac tac tac. Ah, il y a un ascenseur sûrement. Il manque un objet. Ok. Bon. Alors, on a fait une partie du bail.
On est où là? Ok, d'accord. Corlys. Ouais, du coup, prochain objectif, ça va être de déposer le. Enfin, d'aller récupérer le joyau, je pense. Poudre noire, grande quantité. Oh. Deux fois plus de munitions que la poudre noire standard. C'est-à-dire si je combine. Ah, ça veut pas, je crois. Ah, si. Oh putain. Ok. Sympa. Par contre, là, si Jean-Michel il arrive, je vais être bloqué, hein, clairement. Parce que je peux rien faire là, y a pas de passage. Ou alors je récupère ça pour le foutre ici, tu penses? Ouh là là, j'entendais pas, mais qu'est-ce que ça fait peur, dis donc. Non mais je comprends qu'en dans les années 2000 ça puisse faire un peu stresser, mais maintenant c'est bon quoi, c'est chiant en fait. Donc là il faut faire un bail, mais je sais pas quoi. J'ai pas envie de tirer une balle ou quoi. Petit rouage. Ah. Ça se fait en plusieurs étapes, je pense, et j'imagine que le gros là, il va venir au pire moment. Ah, on peut monter là, tu penses ou pas? Non, on peut pas. Mais encore? Faut que je tire dans les bails pour que la cloche se déclenche. Ah, je pensais pas qu'il pouvait rentrer ici. Ok. On va essayer de tirer une balle, hein, écoute. Je vois pas trop ce que je peux faire. Pour essayer de décoincer ça. Non, ça fait rien. Dans les années 2000, je pense que. Attends, j'ai pas essayé de rentrer. Je sais absolument pas ce qu'il faut faire. On va essayer de choper le petit rouage si je peux. Non, je peux plus. Ok, il est fixé à tout jamais. D'accord. Je sais pas ce que je dois faire. Nickel. Bon, du coup, qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Ah oui, j'ai pas mal de trucs à faire. Donc le bras gauche de la... Ah oui, mais je crois que j'ai pas ce qu'il faut. Je crois que j'ai pas ce qu'il faut. Il me semble que pour la salle de... Pour le truc de la statue, là... Il faut un truc pour remplacer le bras de la statue. Et j'ai pas encore ça. Donc ce qu'on va faire... Non, je veux pas échanger. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout en bas. Ouvrir les cellules comme ce que je voulais faire à l'origine. Du coup, je suis où? D'où Jésus? Faudrait que j'aille là-bas pour descendre, je pense. Tac. 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 Ouais. Faut que j'aille aux escaliers tout là-bas. Mais il sort d'où lui? Seigneur. Tu sors d'où toi? Viens s'il te plaît, viens par là. J'ai pas de couteau. Donc je peux pas. Ouais non, je peux pas. Frère! Ah bah ouais, bah va te faire enculer si jamais. Ah putain. Non, je vais. Attention, ouais, mais je suis en orange, je suis pas encore en rouge. Je peux me prendre encore un coup et... avant de mourir. Là.
Le gros, il est derrière. Ah, je pourrais sauvegarder aussi. Ah, mais je peux pas, c'est bloqué ici. Faut que je fasse. Attends, si je passais par au-dessus, est-ce que c'était pas plus simple? À mon avis, c'était plus simple de passer par au-dessus. Désolé, hein. Faut que je me repère. Salle d'art, on s'en bat les couilles. Quoi qu'on peut aller vite fait jeter un oeil. Tu vois là le sceptre. Je peux lui reprendre son bras, mais c'est pas ça qui va me donner l'espèce de joyau en fait. Donc je sais pas. Je sais pas comment faire. Pour l'instant. Gauche et tout droit. Faut que maintenant c'est débloqué. Ouais mais non, moi je vais aller par là. De toute manière. C'est par là, hein. Attends. Me dis pas que je suis en train de me perdre et de perdre du temps de ouf là. S'il te plaît. T'as loupé le livre dans la bibliothèque. Ah. Il était pas mort lui? Évidemment, la porte qui se referme automatiquement. C'est bien, c'est bien. Hop. Non, 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 non! Lui, il a bougé là. Putain. Oh, je croyais que c'était des mines. Et le livre, c'est pour la statue? C'est pour faire quoi avec? Du coup, let's go. On va activer. J'ai vite fait des balles. Sérieux, gros sac, il me suit jusque là, mais putain. Ah, j'ai pas save, attends, c'est où la save? Je l'ai loupé. Je crois que j'y suis juste pas passé. Ouais, bah tant pis, hein. C'est quoi, Nick? Faut que j'aille par là. Ah oui, mais de toute façon, je peux save. En descendant. Ah oui, c'est vrai! On apprécie, on apprécie. Ces putains de chiens. Ouais, parce que j'ai pas beaucoup de soins là, donc. Je préfère sauvegarder. Ça fait quoi ça? Réduit les dégâts subis et protège. Putain. Ouais, mais je m'en fous. Bah écoute. Ça, on va la dégager. Hein. Ça sert à rien. Mais tu sais que le livre, je l'ai. Hein. Si c'est de ça que tu parles. Le livre en plastique. Je sais pas si c'est de ça que tu parles. Ah, les yinches, ils vont être relous. En plus, je sais pas jusqu'où ils vont me suivre. C'est ça le problème. Si je me fais mordre la gueule direct là, ça va me saouler.
Ça, c'est pas ouvrir une porte, hein, chien. J'espère. J'espère. Lui, il était mort, normalement. Là, il y avait les frérots. Je vais peut-être les sanctionner directement, maintenant. Tu fais semblant, tu fais semblant. Ouais, voilà. C'est tellement... Ils font comme les yinches l'autre fois. Ah là là, c'est nop. Genre, je leur mets un coup et tout, c'est bon. Du coup, là, c'est bon? Ou pas? Il manque plus rien, si? Ah, peut-être là. Non, je sais pas. Je suis pas électricien. On va essayer d'activer, on va voir. Ouverture! Ok, bon. On dirait qu'il me manque quelque chose. Eh ben, qu'est-ce qu'il me manque? Qu'est-ce qu'il me manque? Il en manque un. Oh. Ouais. Ouais. Ok, bon, bah on va remonter tout en haut. Hein. On va aller à la biblio. Enfin non, pas à la biblio, on va aller à la statue. En vrai, si je vais là après, ça m'emmène directement. Ah ouais, non, c'est vrai que c'est chiant. Là, sans. Je sais plus, attends, faudrait que j'y retourne pour voir. Bon, bah allez. Non, c'est pas là. Non, c'est pas le même endroit. Mais après, si je passe par là, c'est peut-être plus rapide. Mais je sais pas si je peux y repasser. Je sais pas si je peux y repasser par là. Pour... escalier souterrain. Parce qu'après, normalement, ça m'emmène directement dans le hall. On va voir. Parce que normalement, en plus, y a pas d'ennemis ici. Je perds peut-être notre temps. On va voir. Mais ça m'éviterait de repasser par les chiens et de recroiser Jean-Michel Gros Sac. Donc là, ça mène à rien, ça. Ça mène à un truc. On va passer par l'échelle. Je sais. Non, je crois que ça sert à rien ce que je suis en train de faire, mais bon. Ouais, parce qu'il n'y a qu'une seule. Ouais, ça sert à rien. Ah là là! C'est dommage, ça aurait pu être une idée. Ça aurait pu. Putain, mon Léon, il est sale. Sa tenue, elle est super sale. Allez, on va se reprendre un coup.
peut-être mourir, hein. Salut les gars. Bon, il y a re le gros, du coup. Hein. Donc ce serait par là. Logiquement, à part si c'est TP, il est derrière moi. Et du coup, il va pas me saouler. Salle de pause. Ça a rien que j'y aille de toute façon. Ça, c'est quoi? Levier dérivé d'eau. Ah oui, c'est vrai, on s'en fout. Bon, bah écoute. Toute façon, je suis obligé de passer par là. Hein. C'est relou. Génial. J'aurais pété un câble si s'il m'avait bouffé. What? Putain, c'est bon gros, tu meurs. Je t'ai tué une fois, c'est bon. Là, je peux remonter, il me semble. Exit. Évidemment, il s'est TP au même étage que moi. Il est à côté d'ailleurs, je crois. Non, je sais pas. Ah putain, mais j'ai pas pris le livre, mais je suis qu'une bite. Non, c'est bon, il est mort cette fois-ci. Ta gueule. Formidable. J'ai zéro heal à part ça. Ouais, c'est vrai. À part ça, il est comment là? Il a tension. Vas-y, on va se soigner de toute façon. Je sais pas si c'est possible, genre d'être bloqué dans le jeu, parce qu'en fait, t'es dans une boucle de mort infinie. Tu sais, genre t'as plus de soins. Je sais pas si c'est possible, mais ce serait très chiant. Alors, faut que je l'examine d'abord. On peut zoom. Badge du Stars. Spécial taxi, Tactics and Rescue Service. Oh.
clé USB. Oh là là. Bon, on va avoir le Magnum. En tout cas, j'ai un inventaire très épuré, hein. Voilà, on va dire ça comme ça. Bureau du chef. Il n'y en a pas là. Donc le bureau du star, c'est à l'opposé, mon pote. Tac, 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 tac. Et on va récupérer El Magnum. Enfin, le Lightning Hawk X3. Voilà, x3. Allez, bah écoute. Attends juste. Gauche, en face. Et après de l'autre côté. Jean Gros, il va être là, t'inquiète. J'irai bien save. J'irai bien save. On va faire une petite save rapide. J'aime pas si on peut. F5? Non, on peut pas. C'est des vrais saves qu'il faut. Et une fois qu'on aura le pistolet, on s'arrêtera là. Quoique, non, tu sais quoi? On va s'arrêter là. Donc merci d'avoir regardé cet épisode 6. On se retrouve dans quelques jours pour la suite. Salut.